Si tu prends Salamèche, tu vas galérer à la première arène. Mais tu galéreras toujours dans une arène, peu importe le starter que tu prends. C'est fait pour. Alors évidemment, le starter qui te donne un avantage, c'est Carapuce. Mais vu qu'on est con et vu qu'on est chiant, on va prendre le starter qui va avec la version. Parce que c'est tout simplement plus logique. Bref, nous sommes partis, jeunes gens, sur Pokémon version rouge, feu, j'allais dire vert feuille. 5 ans après les éditions originales de rouge et bleu, sorties sur les premières Game Boy en noir et blanc. C'est donc un remake que voici avec la toute première génération. Édité par Nintendo et bien sûr développé comme toujours par Game Freaks qui sont encore là avec toujours plus de jeux Pokémon qui sortent tous les ans. Et on n'a pas eu le même problème qu'hier puisqu'hier on avait un ectoplasma qui sortait de l'écran vers le haut. Et du coup nous sommes partis, deuxième fois qu'on lance cette aventure en live. La première fois j'ai préféré arrêter parce que ça s'était mal passé à cause de la météo et je déconne pas. Juste derrière moi se trouve au plafond, enfin au plafond qui est un peu pentu de genre 15 degrés, un Velux. Et le problème c'est que quand il pleut ça s'entend vachement fort, vous ne l'entendez pas, mais moi ça me perturbe très très fort dans les oreilles, je me sens obligé que de parler plus fort dans la suite de l'aventure, et du coup pour vous ça doit être un petit peu lourd, du coup j'ai préféré voilà, arrêter là, ici, bref on est parti, on se lance directement, on a déjà fait les présentations hier, on va voir le professeur Shen, la cartouche est endommagée, ne vous inquiétez pas jeunes gens, on est sur une version émulateur, ce qui veut dire que je vais pouvoir sauvegarder avec la console, et d'ailleurs je crois que oui voilà, vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran, il y a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué, il y a marqué Road State, c'est en fait les emplacements de sauvegarde, et si je veux je peux relancer la save où je veux, et ce qui est pratique c'est qu'elle va me permettre, au cas où je fais une bêtise en arène ou à la ligue Pokémon ou en capture un Pokémon légendaire, de relancer le combat à un moment stratégique, donc par exemple si je leur ai fait un effet de dodo, si je leur ai paralysé, si je leur ai fait un effet de saignement, que je leur ai empoisonné ou plein d'autres trucs du genre, prends pas illusion, je vais voir jeunes gens, mais par contre un truc, je veux des noms, si vous voulez que je prenne des, si vous voulez que je prenne des Pokémon, il n'y a pas de problème, je vais les prendre, mais je veux le Pokémon plus le nom. Comme ça, oui, tiens, je ne prendrai que des Pokémon avec un nom que vous avez choisi et qui me plairont. Mais d'abord, on est parti pour lancer la partie, parce que sinon on va jamais se lancer. Une petite introduction sur comment on joue, tout ça, on le sait très très bien, c'est toujours la même chose. Prépare-toi à te lancer dans une grande aventure à découverte d'un nouveau monde. Tu vas faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles villes. Profites-en pour récolter autant d'informations que possible. En résolvant des mystères et en aidant les gens, tu pourras ouvrir de nouvelles voies. Très bien. Bien, attends-toi à te faire défier par de nombreux dresseurs et affronter des créatures sauvages. Sois brave et ne perds pas espoir. J'aime bien parce que c'est un Pikachu qui te donne toutes les infos, c'est juste que... Bon, on a toujours trouvé que Pokémon était un monde de drogue hallucinogène, mais je pense que là, c'est confirmé. Je veux dire, si c'est Pikachu qui vient de parler dans ton rêve, c'est un petit peu particulier. Ouais, c'est ça en fait. Parce que le jeu, tu le commences dans ta chambre, dans ton lit, donc techniquement, en fait, tu te réveilles d'un mauvais rêve où c'est Pikachu qui t'a donné les informations. Et ça, c'est rigolo. Bonsoir aux personnes qui arrivent, on est 20 sur le live. Oui, c'est vrai, jeunes gens, j'en profite pour dire aux personnes qui regardent les rediffusions, si jamais vous voulez suivre la série, il n'y a pas encore de programme, mais normalement, ça devrait arriver le soir, tous les deux jours, en alternant avec Zelda 2, jusqu'à ce qu'on termine, et ensuite, je verrai bien comment est-ce que je m'organise. Bref, nous espérons que tu rencontreras toutes sortes de gens pendant ce voyage extraordinaire et que tu prendras goût à la découverte. C'est notre objectif principal, appuie sur A et plonge dans cette nouvelle aventure. Pop, 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 pop. Et ainsi, nous découvrâmes le professeur Chien, ami des chiens et d'autres animaux, sauf que là on est dans un monde d'alcooliques et de drogués et de choses totalement pas normales parce que les enfants ne vont pas à l'école, mais font des combats de pitbull dans la rue, sont abandonnés par leurs parents à l'âge de 11 ans et vivent sous les arbres. C'est totalement dégueulasse et déloyal. Ils devraient être internés, les parents, sans déconner. Il n'y a pas de police dans le monde des Pokémon. Les seuls qui ont un tant soit peu justice, c'est... Comment ça s'appelle ? Namour, tu regardais Pokémon en dessin animé quand t'étais petite ou pas ? Tu sais, on avait les infirmières Joël, qui sont au multiple de 180, parce que dans la famille, voilà, ils aimaient bien quand ça... voilà, ça y allait fort. D'ailleurs, ça devait être compliqué à un moment, parce que comment t'appelais tes... C'est genre infirmières Joël numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et t'avais, en plus des infirmières Joël qui étaient fabriquées en série, t'avais les... Ah, bordel ! C'était des agents de police féminines, là aussi, je sais plus du tout c'est quoi leur nom. C'était les agents... Je sais plus, bref, en plus d'eux, on a aussi les Pokémon Rangers, mais les Pokémon Rangers, c'est voilà, c'est les gardiens de la paix qui préservent le monde des Pokémon et de la drogue. C'est les dealers du coin, en fait, en plus de la Team Rocket. Ça dit quoi dans le chat, le Pikachu, c'est le diable? Non mais c'est ça, ou Carnage, et tu l'appelles Cyclone. Oh, c'est un peu facile. Non, je veux réellement, jeunes gens, des noms originaux, des noms sympas, des noms qui font rire. Voilà, des noms qui font plaisir. Tout à l'heure, on a eu un bon petit paquet de noms sur le Discord, et ouais, ça me faisait plutôt rire ce que tu m'avais montré tout à l'heure. Je pense qu'on va réutiliser des noms. Alors, n'hésitez pas, hein, proposez des choses, les agents de génie. C'est sûr que c'était Jenny?
Du coup, je te fais confiance parce que moi, Pokémon, voilà, j'apprécie comme beaucoup de monde, mais c'est pas trop ma cam. C'est vrai que ça me fait plaisir de vous faire un Pokémon aujourd'hui, mais je ne suis pas spécialiste, autant vous le dire. Donc voilà, pour les personnes qui s'attendaient à avoir de la stratégie, avoir du gameplay à fond, avoir de la connaissance comme jamais, je pense que vous vous êtes trompé de chaîne et trompé de série. Bref, bonjour et bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Pardon. Mon nom est Chien, Docteur Chien. Les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon Chien. Ce monde... Nani ? Jenny ? Non mais ça doit être Jenny, alors l'agent Jenny, c'est juste que... Ouais, ça me parle pas. Tu vois, tu m'aurais dit l'infirmière Joël ou l'agent Joël, ça m'aurait tilté. Mais je sais pas, Jenny, ça me revient pas. Peut-être que c'est un personnage qui m'a jamais marqué. Et pourtant, je me rappelle des flirts avec Pierre, hein, c'est... Je sais pas. Ce monde est donc peuplé de créatures appelées les Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux totalement domestiques. Pour d'autres, ils font des combats de pitbull et ils sont vendus en tant qu'organes. Voilà. Ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, je fais des expériences totalement immondes sur des Pokémon, je revends les organes, je broie leur cerveau, je fais plein d'autres trucs totalement dégueulasses. Bref, l'étude des Pokémon est ma passion et ma profession. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Alors, déjà, je suis petit dans un monde où... What the fuck ? What the fuck, le professeur Chien a disparu ? Il reste plus que ses jambes ! T'as vu ? Il a été effacé de cette réalité. Je suis donc un homme, et comment est-ce que je m'appelle ? Eh ben je m'appelle comme je l'ai dit hier, c'est-à-dire Petit Kazma, sauf qu'il n'y a pas la place pour marquer Petit Kazma en entier. Du coup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Petit Kazma qui est juste l'abréviation de Petit Kazma, tout simplement, parce que ça me fait rire que dans Pokémon, on incarne toujours des petits nains, mais c'est mignon. Voilà. Et normalement, je crois que le héros de cette version, c'est Red. Mais si c'est le cas, c'est juste trop la classe. Et le rival, du coup, Sofiane, ce sera pas Shooks. J'ai trouvé bien mieux. Alors, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Mais pour moi, c'est une personne qui est très importante. Surtout que très bientôt, grâce à lui, je vais pouvoir vous proposer Assassin's Creed 3. Et c'est pour ça que, quelque part, je vais lui rendre hommage en appelant mon adversaire du nom de Monsieur. Attendez, est-ce que j'ai la place ? Monsieur ? Oui, j'ai la place. Attends. J'ai la place pour le mettre. Du coup, je vais mettre... Monsieur avec un point. Voilà. Oh attends. Non, j'ai pas la place pour mettre le point, mince. Du coup B, bah écoute, c'est pas grave, ça rentre quand même, ça rentre tout pile en plus. C'est Monsieur Paona. Nya. Parce que le mec il a 11 ans et demi mais c'est déjà un monsieur. Voilà. Mais oui, c'est bien sûr, c'est Monsieur Paona. Alors j'aime bien parce que dans l'histoire, normalement, ce gars-là, donc notre rival, c'est censé être le petit-fils du professeur Chien. Sauf que je sais pas si t'as remarqué, mais je crois que professeur Chien, soit il en prend trop, soit il en prend pas assez, parce qu'il a l'Alzheimer et il a du mal à reconnaître sa propre famille. On est 28 en visionnage en cours, autant dire que vous explosez les records. Si jamais ce soir on dépasse les 70, ce sera un record. On était à combien la dernière fois ? On était à 65, je crois. Ouais, sur Endertale, on avait battu un record. Et j'étais très content ce soir. Est-ce qu'on tente de dépasser le record ? C'est une très bonne question. Bref, tu prends Ratata et tu l'appelles Corvo. Allez, ça me va. Pikachu, j'aime bien. Ah oui, Razelanout, non, pardon. Du coup, oui, non, je suis désolé, Colin, mais Ratata, oui, Razelanout, ça me fait beaucoup trop rire. C'est une espèce de petite référence parce que j'ai toujours dit que... Enfin, on a toujours dit que si on avait un chat qui aurait plein de taches sur lui, on l'appellerait Razelanout. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce nom est trop stylé. Et oui, je sais, c'est le nom d'une épice, bref. Mais oui, bien sûr, mais je m'en souviens maintenant, c'est Monsieur Paona. Et oui, et tout le monde a un problème de pied dans ce monde, en fait, parce que c'est la seule chose qui existe encore dans cet univers, c'est très bizarre. Ça me fait penser à cette phrase culte de Retour vers le futur 1, je crois, où le doc dit à Marty, quand il parle de pied, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Marty, je crois qu'il dit, oh mon dieu, c'est pas le pied, et Doc, il répond, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pied ? Est-ce que le monde de 21e siècle tourne autour d'une histoire de pied ? Alors, je sais plus ce qu'il dit exactement, c'était très drôle. Bref, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Ça fait 15 minutes qu'on parle, on est toujours à l'introduction, autant dire qu'on est très bien. Un tout nouveau monde de rêves, d'hallucinogènes et de Pokémon, t'aventure, t'attends. Bonne chance. Et ainsi j'ai rétréci. Alors c'était mal fait parce que voilà, en vrai je suis encore plus petit que la version finale qu'on a eue. Et du coup, oh, ça c'est génial. Game Freaks, ils sont très forts pour ça. À chaque fois que tu commences dans un nouveau Pokémon, tu as une console dans ta chambre qui est à chaque fois en référence avec la console du moment. Et du coup actuellement c'était la NES. Et ça c'est juste trop stylé. Et je me pose une question. Je me demande si pour les personnes qui ont joué aux dernières versions, si Pokémon Soleil et Lune, c'est une Switch dedans.
Je crois pas, parce qu'il me semble qu'ils sont sortis avant la Switch, mais si possible, si on a un véritable jeu Pokémon RPG comme annoncé sur la Switch, qui ressemble aux versions de la 3DS, mais en mieux fait, avec tout ce qu'il faut, bref, si on a une chambre, il faut absolument que la console dominante soit une Switch. Parce que je suis désolé, ce serait trop stylé. Mais d'ailleurs, je crois que dans Pokémon X et Y, c'était une Wii U qu'on avait dans la chambre, hein. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était ça, parce que je l'ai fait la version X et Y. Mais je me suis arrêté à X et Y, et j'ai bien aimé, mais c'était pas mon préféré. Alors, je peux dodoter, voilà, ça annonce donc la fin de cette aventure. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un max de likes, un max de dons et un max de autre chose. On a un PC, je sais pas si on peut y accéder. Tikazma allume le PC. Que voulez-vous faire? Je sais pas, je veux accéder au stockage d'objets. Il me semble que, voilà, il me semble que quand tu vas sur ton ordinateur, tu obtiens une potion. Alors, il faut savoir que j'ai déjà terminé ce jeu quand j'étais tout petit. Au collège, je l'ai terminé deux fois sur la version vert feuille et sur la version rouge feu qu'un copain m'avait prêté. Ensuite, avec Shooks, on avait démarré un LP dessus qu'on a fait en coop. Je faisais la version vert feuille, il faisait la version rouge feu. Et d'ailleurs, les premiers épisodes sont toujours disponibles sur la chaîne. Mais il faut savoir qu'on l'a pas fini, tout simplement parce qu'on a eu un problème plutôt de son côté, qui reste personnel, c'est pour ça que j'en parlerai pas plus. Mais du coup, on n'a pas pu continuer et c'était dommage parce que je voulais voir la suite du jeu qui était en plus très très bon. Moi, j'avais adoré quand j'étais petit. Alors, maintenant que vous me dites que sur la version Soleil et Lune, c'est la Wii U. D'accord, bah écoutez, ok, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, non. C'est normal, c'est normal parce que Soleil et Lune est sorti après, enfin avant la Switch, mais du coup c'est un peu dommage, c'est juste ton émulateur qui bug. Mais oui je sais, mais c'est rigolo, moi j'aime bien voir des pieds de partout, je me doute que c'est pas dans la version originale que t'as ça. On va se faire une petite save, attendez, CF1, voilà, à pas confondre avec Zelda 2, parce que sur la version Pokémon Rouge, donc sur Game Boy et sur NES, c'est pas du tout les mêmes raccourcis pour pouvoir faire des sauvegardes auto. Sur NES c'est Shift 1, et sur Game Boy c'est Shift F1, donc voilà, c'est pour ça que je vais sûrement m'emmêler un petit peu les pinceaux par la suite. Bref, tous les garçons quittent un jour le foyer. Enfin, la maison, c'est la vie. Oui, même si c'est un petit peu chaud quand même. Le professeur Chien te cherche, il est dans la maison voisine. Très bien. Eh bien, allons-y. Oh, attends une minute. De la vaisselle est rangée dans ce placard. Alors moi j'aime bien parce que je visais la poubelle. Donc j'étais en train de me dire que maman avait jeté la vaisselle à la poubelle. Chose ma foi fort normale je suppose dans le monde des Pokémon. C'est... On va voir des choses hallucinogènes dans cet univers. Attendez. Faut que je coupe le micro deux secondes, que je demande un truc. Alors, je suis de retour, vous inquiétez pas, tout va bien, j'étais juste en train de discuter d'un truc avec Stahl. On va prendre 5 Pokémon de base. Enfin non, on va partir sur 6. Mais à un moment dans l'aventure, c'est un Pokémon mystère que je vais récupérer. Stahl t'en dit pas plus, hein. Il faut qu'il le découvre. C'est un Pokémon qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui est très très vite oubliable et pourtant qui est très rigolo. Que Stahl veut absolument que je prenne dans mon équipe. Donc ce sera un petit peu le Pokémon qu'on nommera Stahl d'ailleurs, mais... C'est un Pokémon qui est pas ouf de base, mais vous verrez que ce sera très rigolo de le prendre. Je sais pas du tout s'il a des bonnes capacités, je sais pas du tout s'il va me servir, mais ça pourrait être... T'en as vite fait parler sur Discord ? Ah mais non, mais si tu spoil ! Mais c'est plus rigolo ! Il te représente par rapport à quoi? Enfin, non, je veux pas savoir, ça va spoiler. C'est pas grave. Ectoplasma, tu l'appelles Charanormal. Charanormal. Juste un truc, Sofiane. Dites-vous bien qu'on n'a pas la place de mettre des gros noms. Donc, je sais pas, on est limité à combien en termes de caractères, mais il me faut pas des noms trop énormes parce que sinon ça rentrera pas. Et à mon avis, Charanormal, juste avoir comme ça, ça rentrera jamais. 17 novembre, Ultra Soleil et Ultra Lune. Oh, je sens que Rétro, il est au bout de sa life. S'il y a des personnes qui attendent absolument Soleil et Lune, eh ben, tant mieux pour vous, parce que moi, je l'attends pas du tout. Je veux dire... Je ferai le jeu quand je pourrai, mais là, actuellement, c'est vrai que c'est pas du tout le jeu que j'attends. Bref, en plus... Si jamais, c'est le jeu que je serais très heureux de vous faire sur la chaîne, mais malheureusement, je n'ai pas de capture board, donc même si je le voulais, je ne peux pas. Monsieur Pauna est dans le labo de Pépé, d'accord. Et là, actuellement, devant elle, on a une carte de la zone, qui est la région de quoi? C'est la région de Johto? J'ai un doute. De Kanto? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est la région de Kanto ou de Johto? Parce que là, j'ai un gros doute. Je ne sais plus du tout de quelle région il s'agit. Salut tout le monde, salut ceux qui arrivent, salut Tsuki, salut Monsieur Paona, Monsieur Paona, yo Tikazma, Pépé n'est pas là. Très bien, est-ce que je peux me servir? Non, je peux pas. Ces Pokéballs contiennent des Pokémon. Très bien,
Tout ceci est totalement logique, mais apparemment je ne peux me servir. Ah mais ça me dit quelque chose, mais oui. Attendez. Ah ok, ça va être très 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 long, je savais plus si je l'avais réglé. J'ai un bouton qui me permet de faire des choses ultra rapidement. Alors sur mon pouce, ça va faire du grand n'importe quoi et que ça va bugger à mort. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le live qui bug, c'est juste moi qui ai une commande d'accélération si jamais. Je sais pas si je vais m'en servir honnêtement. Mais ouais, c'est très rigolo de se mettre à courir d'un coup. Bref. J'ai pas eu le temps de lire, le professeur Chien qui me guac, c'est très dangereux, des Pokémon sauvages, hein, fais sur les hautes herbes. Et du coup, vous faites comment pour aller faire les courses, en fait, parce qu'il n'y a pas de super-aide dans la ville, hein. Il te faut un Pokémon pour te protéger, je sais, suis-moi. Très bien, nous suivâmes le professeur Chien, jusque dans son laboratoire. Son laboratoire où il fait des expériences pas normales sur des Pokémon pas normaux. Très bien, ok, monsieur Pauna, Pépé, j'en ai marre d'attendre. J'ai le nez bouché, mais d'une puissance. Attendez. Moment gargarige. Je crois que c'est le sirop. Parce que je te jure que j'avais la bouche prise depuis tout à l'heure. Appelle Salamèche Onibi. Non, j'ai déjà un nom pour Salamèche et celui-là je le garde parce qu'il est trop stylé. Mais pour les autres, vous pouvez toujours proposer. Coucou Kazma, quel plaisir de te voir. Salut Quentin Fournel, salut Otsukari, salut Mangatop, salut aux autres. C'est la région de Kanto, très bien. Ah mais je suis un noob, hein, je suis un noob, c'est marqué dans le titre en plus. L'aventure d'un noob. Ah mais c'est vrai, je t'ai dit de venir. Tiens Tikazma, il y a 3 Pokémon ici. Ils sont dans ces Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Et maintenant, je suis un dealer de poudre Pokémon. J'infecte leur... Mais à cause de mon âge, j'en ai gardé que 3. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Il y en a un pour toi, allez, choisis-en un. Très bien. Et du coup, mais bien Pépé, mon Pépé et moi. Quoi? Hein? Patience monsieur Pona, tu en as un aussi. D'accord, moi d'abord. Alors, on a Bulbizarre. Alors Bulbizarre je dis non, puisque c'était le starter que j'avais pris dans Verfeuille. Ensuite on a Carapuce. Et je ne veux pas non plus Carapuce, je veux le troisième. Non, c'est toujours le dernier que je veux prendre. Salamèche, oui, c'est à mon choix, tu vas devoir t'occuper de lui. Avec beaucoup de patience. Alors, tu as fait ce choix, oui. Je veux ce Pokémon. Ce Pokémon est très énergique. Tikazma obtient Salamèche. Et du coup, je l'espère parce que c'est vrai que j'ai pas vérifié. Ah si, attends, on a pas mal de caractères. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc on a 10 caractères. Si jamais vous voulez proposer des noms de pas plus de 10 caractères, on va regarder si ça rentre du coup pour un Momozor. Parce que je veux un Momozor. Y a pas moyen de rendre ça plus swag qu'avec un S. Si je mets un Z, tu crois que ça rend swag? Pour un Momozor. Tu veux que je mette un Z? Parce que c'est plus réaliste. On va faire le S. Attends. Si je fais un Momozor. Mais si, ça rentre tranquille en fait, Momozor. 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 Allez, c'est parti. On valide le Momozorus. Oh, j'aurais dû l'appeler Momozorus. Oui, bon, c'est pas grave. Momozorus, c'était l'ancêtre de Momozor. En fait, tu t'en fous. Je m'en fous de quoi? Les 3 légendaires à la Hyper Ball et Mewtwo à la Master Ball. Bah, c'est-à-dire que tu te vantes de tes exploits. Ça reste tes exploits, c'est très bien. Mais c'est pas les miens, donc je vois pas pourquoi est-ce que tu voudrais que je te dise waouh toutes les 2 minutes. C'est normal. Roucoule, ça va. Roucoule, ça va. Roucoule, ça va. Attends, il veut appeler Momozor Roucoule. C'est pas un nom, c'est une question. C'est débile. C'est débile. Roupa cool. Si c'est pas mal. Si jamais j'aime bien. Alors, professeur Chien, dis-moi tout. Est-ce que je vais oublier quelque chose par hasard parce que je vois les Pokédex juste en haut. Ton Pokémon te protégera des Pokémon sauvages. Avec lui, tu pourras sûrement atteindre la ville voisine. Ah, du coup, c'est comme ça en fait. Si t'as pas de Pokémon dans ce village, tu peux pas aller faire les courses. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est comme une encyclopédie, mais les pages sont vierges. Très bien, mais je ne peux pas en avoir du coup. Je ne peux pas en avoir. Ok, c'est le combat du rival. Évidemment, on s'en doutait. Minute, Tikazma. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. À toi, viens te battre, eh. Noméo, je vais te faire une attaque de gros yeux dans les dents, moi, tu vas voir. Alors, par contre, ça bug énormément dans cette version. C'est très embêtant. Un combat est lancé par le rival, Monsieur Pauna. Carapuce est envoyé. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. En même temps, tu peux pas l'avoir, le rival, en fait. Il prendra toujours la version supérieure au tien et c'est ça qui.
C'est ça qui est lourd. Et c'est pour ça, c'est tactique quelque part. C'est pour ça que le professeur Chen est retraint. Tu dis toujours qu'il est égoïste parce qu'il préfère laisser la concurrence choisir en premier. Mais non, c'est parce qu'il veut donner l'avantage à son petit-fils. C'est pour ça. Il est malin, il a tout pensé, le professeur Chen. Tu n'avais encore jamais combattu avec des Pokémon, n'est-ce pas? Dans un combat, les dresseurs lancent leurs Pokémon pour qu'ils se battent les uns contre les autres, tels des pitbulls sauvages. Le dresseur qui parvient à donner le plus de viande à son Pokémon le rendra plus rageux et ainsi ses PV deviendront plus forts et il pourra massacrer le Pokémon adverse. Très bien. Assez parlé, et si nous passions à la pratique? Rien de mieux qu'un vrai combat de pitbull pour se rendre vraiment compte des choses. Ok, donc on a quoi? On a griffe et rugissement, autant dire que rugissement c'est pas la folie, je sais plus du tout ce que ça fait rugissement, ça baisse pas la défense? Un truc comme ça? Peut-être ça fait une jolie animation. Ah non, c'est l'attaque que ça baisse, très bien. Donc ça va prendre en compte pour la suite. Tu prendras l'avantage si jamais tu baisses les stats de l'ennemi. Très bien, donc écoute, tant mieux. Alors de toute manière, qu'on gagne ou qu'on perde, dans tous les cas on progresse, donc y a pas de problème au moins pour ce premier combat. Je te mens pas, je jure. Qu'est-ce qu'il dit? La première fois que j'ai joué à Pokémon, mon jeu a bugué et mon Salamèche est devenu un Pikachu noir. Ouais, j'y crois pas du tout. Je vais pas te mentir, j'y crois pas du tout. Soit tu joues à une version hack, soit c'est un mytho, n'est-ce pas? Momozer utilise griffe. En fait, tu devrais utiliser Momozer utilise écrasement. Genre comme un mammouth. Infliger des dégâts à son ennemi est la clé de la victoire. Ouais, mais il prend pas en compte la stratégie, le professeur Chien, hein. Carapuce utilise charge. En avance à la mèche, Momozer. Faut que je m'y fasse à ça aussi, hein. J'ai enfin le son. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que le son est fort ou pas? Parce que normalement, je l'ai baissé de 2 par rapport à hier, donc j'espère que c'est pas trop fort. Et j'ai augmenté un peu le micro, parce que j'ai remarqué que le son d'hier était vraiment pas fou. Un noob qui fait un Nuzlocke, il perdrait en 2 secondes. Ah, mais je fais pas un Nuzlocke, c'est pour ça. On m'a proposé de faire un Nuzlocke, mais c'était franchement pas une bonne idée, hein. Je ne suis pas prêt pour ça, moi j'ai pas le level. J'ai clairement pas le level. Non, pas de spam. Mais il n'y a pas de spam. Qui sait qu'à spammer? De toute façon, s'il y a du spamage, on a les modos pour régler tout ça. Il y a Itwit, Yastal et il y a Kawaii, je pense, qui arrive tout à l'heure. Une fois qu'il aura terminé de faire ses courses. Si jamais on avance bien ce soir, jeunes gens, vous inquiétez pas, il y aura sûrement du Zelda 2. Là, pour le moment, j'ai vraiment envie de me lancer dans Pokémon. Parce que autant j'étais pas spécialement enjoyé que de faire le jeu. Parce que c'était pas le jeu qui me donnait spécialement envie, même si c'est Pokémon et que c'est trop bien. Mais non, là, je. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Alors, on est plutôt pas mal, je sais pas du tout, il lui reste combien de points de vie. Écoutez, on va bourriner. On va bourriner parce que je pense que c'est la meilleure technique. Carapuce utilise charge. Ok, d'accord, je crois que c'était une attaque critique, autant dire que... Oh là là, oh là là, oh là là. Ça va se jouer à pas grand chose. Pas d'attaque... Vas-y, Momozer. Oh, la pression, toi. Premier combat du jeu, on était à ça. Non, même pas à ça de perdre. C'est technique. Un truc drôle avec les combats Pokémon, si tu as des attaques du genre de destruction ou de séisme, à faire au milieu d'un bout ou d'un bâtiment classique. Non mais c'est pour ça, on prend jamais en compte les attaques des vrais Pokémon, parce que tu t'imagines toi, si tu fais des Pokémon dans des ligues Pokémon, bon, on va dire que c'est DJ pour, donc les arènes sont 100 fois plus résistantes que la moyenne, mais quand tu es dans la rue, que oui par exemple tu utilises séisme avec n'importe quel Pokémon, que tu utilises Léviator qui fait ultra laser, voilà, un ultra laser, on va dire que ça fait... deux fois moins la puissance d'un Kamiamia, c'était quand même assez balèze. T'as plein d'autres attaques hein, qui peuvent foutre la merde. Et partout. T'imagines, tu utilises l'attaque tempête de sable en ville? Autant dire que les gens du coin, ils vont pas vraiment t'apprécier. Hein. Vous avez battu le rival Monsieur Paona. Très bien. Quoi? Incroyable, j'ai pas pris le bon Pokémon. Tikasma remporte 80 points... Pokémon. Mais Pokédollar, voilà, je cherchais la dollar, la monnaie du jeu. D'ailleurs, c'est ça aussi le monde Pokémon. C'est un monde de chiens et de vendeurs de drogue, quoi. C'est hallucinogène, c'est dangereux, c'est de la survie à temps plein parce que les gamins sont envoyés voilà, dans le monde Pokémon sans aller à l'école. Évidemment, il n'y a pas d'éducation. Tu voles l'argent du mec que t'as battu parce que son Pokémon n'est pas assez fort pour le défendre. Bref, c'est un monde de ripoux drogués, un monde de junkie ripoux. Affronte les autres dresseurs pour endurcir tes Pokémon. D'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'il y avait déjà un multi-XP dans cette version, si jamais, parce que ça m'intéresse, ça. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Pépé, à plus tard. Très bien. Et du coup, nous aussi, on peut se lancer dans l'aventure ou pas? Parce qu'on n'a pas encore le Pokédex, on n'a pas encore la carte du coin. Donc autant dire qu'on n'est pas réellement bien. Je vais aller voir un truc du coup parce que j'ai pas la carte, je peux la récupérer ou pas. Tikasma, il paraît que tu as accompagné Monsieur Paona. J'aurais aimé voir ça. D'accord, donc t'en as rien à péter de la carte. Et si j'essaye de parler à la carte, c'est une carte, ça peut être utile. Très bien. Donc elle en a juste rien à péter. Je me rappelais pourtant qu'à un moment il fallait retourner voir une femme dans la maison d'à côté et elle nous donnerait la carte, mais apparemment c'est pas là. Peut-être que je vais faire demi-tour, je ne sais pas encore. Et du coup, autre question, je n'ai pas non plus de Pokéball, j'imagine. Je n'ai pas non plus de Pokéball. C'est la haze dans le monde Pokémon. Est-ce que j'ai été guéri au fait?
J'ai été guéri, c'est bon. C'est bon. On va se faire un petit combat ou deux, histoire de prendre un petit peu d'expérience et de voir un petit peu aussi où tout ça va nous mener. Oh mon dieu! Un Roopa cool. Sauf qu'il est niveau 3. De toute façon, on peut pas le capturer, donc on verra ça après. Voyons voir. Mamajar, essaye de prendre de l'expérience. Oh, en plus, il a 21 points de vie, autant dire que la victoire est assurée. Allez. Oh, dommage. J'ai cru que je ferais plus de dégâts que ça. Je crois que la première attaque que Salamèche va avoir, enfin Mamazor, c'est Flamèche, si je dis pas n'importe quoi. Je joue pas en tant que spécialiste, hein, si jamais il y a des personnes qui veulent m'éclaircir sur certaines choses, donner des conseils, hein, faut pas hésiter, mais moi je suis pas du tout un expert du game, donc voilà, ça va se passer comme ça va se passer. Et, tranquille, trois attaques, ni vu, ni connu, tout va bien. Voilà. Et du coup, on gagne... Oh, tranquille! Tranquille. J'allais dire qu'on gagne pas beaucoup d'expérience vu qu'on est dans la rue, mais si, ça a l'air d'aller quand même. Alors attendez, parce que là je fais un peu le trifouilleur, mais je sais qu'il y a des Pokéballs qui peuvent être invisibles dans le jeu. Je sais juste plus c'est dans quelle version du monde, donc je sais pas si là il y en a un, mais j'essaye. Un Razelanout sauvage apparaît. Mamazer, go! Ok. On le déglingue. Nya-ha! Allez, s'il te plaît, fais-moi des attaques plus puissantes. Bourrinage des fesses! Voilà. Je pense que c'est dans ces moments-là que ça va être très pratique de pouvoir accélérer le game. Voilà, et tranquillement, nous prenons un level. Et ainsi, nous passons au level 7. Ah, j'apprends Flamèche direct! Nickel, ça! Je pensais que je l'apprendrais dans genre 2 niveaux, mais écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Salut, je travaille à la boutique Pokémon, nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jaliel. Tiens, prends donc ceci comme échantillon. Vous obtenez la potion. Bah, très bien. J'avais pas utilisé la première comme ça m'en fait deux. J'ai donc deux potions en cas de pépeng. Et du coup, je n'ai pas le choix que de passer par les herbes Pokémon. C'est compliqué. Le multi-XP est dans pas longtemps mon roi. Très bien. D'ailleurs, tu voudrais pas juste dire Kazma parce que ça me perturbe un peu de dire mon roi. Ça fait un peu. J'ai l'ego qui gonfle là, j'ai les genoux un peu énormes. Et c'est pas évident de passer dans la haute herbe avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un Roopa cool. Viens me voir, Roopa cool. À l'attaque, Momozaurus. Est-ce que Flamèche fait beaucoup de gars? Ranikra. Oui, tranquille. Allez, deuxième attaque de Flamèche. De toute façon, dès qu'on est à Jadiel, on ira voir l'infirmière Jojo. Qui nous rendra un petit peu de vie. Ma foi, avec quelques petits massages fort agréables. D'ailleurs, c'est les Pokémon qui en ont de la chance parce que. Évidemment, c'est pas moi qui me guéris, mais les Pokémon. Encore un Roopa cool. Je sais pas si je vais prendre trop de risques avec Momozaur parce que j'ai plus trop de vie. Et si je meurs, c'est la défaite et je rentre à la maison. Voilà. Allez, on y croit. Très bien. J'ai le hockey, c'est terrible. Ah oui, on peut pas courir, c'est vrai. Pourquoi je peux pas courir? Il y avait pas des baskets à avoir dans le jeu? Me rappelle pas. Je me souviens qu'il y avait une bicyclette. Je sais pas par contre si la bicyclette était dans cette version. Mais pour les baskets, je sais plus. Il y avait rien du tout de ce côté. Très bien. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Je sais pas, jeune Jean. Il y a plein de trucs qui me reviennent à l'esprit. Sauf qu'évidemment, je sais pas si c'est dans cette version ou une autre. Donc c'est pour ça que ça va être très rigolo. Ok, donc, le chantre Pokémon. D'ailleurs, je pourrais acheter moi-même des Pokéballs, mais il me semble que le professeur Chien va m'en donner. Donc c'est pour ça, là, pour le moment, je suis cool avec ça et j'attends patiemment qu'on vienne me donner. Conseil, l'eau est faible au feu. L'eau est faible au feu? Oui, c'est l'inverse, oui. Non, c'est l'eau qui est supérieure au feu, hein. C'est, ça, jusque-là, je pense que je peux suivre. Je veux dire, si j'allume ma briquet et que je mets un verre d'eau dessus, je pense pas que c'est l'eau qui va s'évanouir. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi? Tu veux tout savoir sur les deux types de Pokémon chenilles? Non. Je suis tombé sur le gamin le plus barjot de la rue. Il me parle de Pokémon chenilles, lui, il me parle de... C'est dégueulasse. Et je veux pas aller dans le shop, j'ai dit. Hey, tu viens de Bourg-Palette? Oui. Mais du coup, tu connaîtrais pas le professeur Chien par hasard? Sa commande vient juste d'arriver, peux-tu la lui apporter? Très bien. Bah écoute, c'était pas prévu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Attendez, j'étais pas à la poursuite de Monsieur Paona, là? Non, si, peut-être. Vous allez dire j'ai pas suivi, c'est peut-être vrai, hein, mais... Là, sur le coup, j'ai vraiment l'impression de pas avoir suivi. Les baskets, c'est dans la deuxième génération. D'accord, donc je pourrais jamais courir de ma vie. Je suis destiné à être aussi lent, c'est ça? Je ne pourrais jamais aller plus vite que ça. Oh, que ma vie est nulle. Ah ah! Encore des cassis! Oh, bordel. Foutu route mal léchée. Et du coup, c'est tout droit. Oh, mais attends, je crois que je sais c'est quoi en fait le colis. Je suis une andouille. Je crois que je sais ce que c'est. Mais si c'est ce que je crois,
Et bah du coup c'est nickel parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tiens, Tikazma, mais comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Ouais, je lui ai donné une petite pilule rouge, évidemment, il m'aime plus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Oui, Tikazma donne le colis au professeur Chienne. Ah, mais c'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci. Monsieur Paona, pépé! Oui, que se passe-t-il? Pourquoi tu m'as appelé? Très bien. Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Ah voilà, on en parle enfin des Pokédex. Sur ce bureau se trouve mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Tikazma et Monsieur Paola, prenez ces Pokédex. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir des cartes aussi, s'il vous plaît, monsieur? Tant qu'à faire. Il ne te suffit pas de... Quoi? Il ne te suffit pas de voir un Pokémon pour tout savoir. Oui, il faut aussi le capturer, ça c'est logique. Il te faut aussi l'attraper. Voici des Pokéballs pour en capturer. Tiens, tu obtiens 5 Pokéballs. Nickel! Les Pokéballs dans le sac. Ok, quand un Pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. Lance une Pokéball pour le capturer, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Un Pokémon en pleine forme peut s'échapper, il peut aussi beaucoup... Quoi? Il faut aussi beaucoup de chance. Ouais, ça va, hein. Quand t'as des Pokéballs et que t'essaies de capturer des Pokémon de niveau 3, en général, ça reste pas longtemps. Mais je suis trop vieux, maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Oh, mon coccyx me fait mal. Allez, roule les jeunesses, que la grande quête des Pokémon commence. Et de la drogue, oh, la pilule rouge. Ok, pépé, laisse-moi faire. Tikazma, c'est clair, j'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais, je vais prendre une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une, yark. Mais quel salaud. Ah, quel salaud! Eh, je me rappelais pas que Monsieur Pono, il était aussi, hein? Je veux dire, quand je le croise en général et que je vais chez lui, tout va bien. Oh, l'ordure, eh! Je regarde tout pour lui! Mais quel salaud! Eh, rends-moi mes 5 euros, toi! Oh, et une carte, s'il te plaît! Les baskets sont pas dans la première arène. Ah non, sont après la première arène. Ah bah, très bien, ça! Très très bien. Dans RF, VF, tu peux les avoir. Dans Rouge Feu et Vert Feuille. D'accord, oui, d'accord. J'avais pas compris RF et VF, ok. Donc on peut bien avoir des baskets. Donc Soufiane s'est trompé. Soufiane, il dit quoi tout à l'heure avant qu'on commence? J'ai la soluce, t'inquiète, je te guide. C'est le seul qui a la soluce, c'est le seul qui se gourre. Moi je dis ça, Soufiane, je dis rien. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte? S'il te plaît, 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 merci. Imagine le gros relou qui vient te voir juste pour demander une carte comme ça. Eh, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Tiens, 5 Pokéballs pour attraper 150 Pokémon, bonne chance. C'est ça? C'est ça. Parce qu'il sait très bien que je vais prendre des portefeuilles aux gens. Alors, on est donc parti. Je veux un Roupa Cool et je veux un Razelanoute. Donnez-moi des Pokémon.